Voici désormais ces nouveaux membres qui vont conduire pour un mandat de 5 ans la destinée du collectif des artisans de la commune d'Aplahoué. Élu à l'unanimité, ce mardi 15 novembre 2022, par ses pairs à la salle des élus de la mairie d'Aplahoué, Gervais Kodjo est le nouveau patron. La transparence, l'humilité, l'amour et le travail bien fait sont ces quatre éléments sur lesquels repose son mandat. Notre défi, c'est d'unir les artisans. Les artisans doivent être unis. On va travailler ensemble. Il va régner la paix dans le cœur de tout un chacun de nous, dans l'artisanat de la commune d'Aplahoué. La transparence, l'humilité, l'amour et le travail. Si on peut prendre dans ces quatre mots-là, le problème d'Aplahoué est réglé. Je veux qu'on s'asseye ensemble. J'ouvre mes bras à tous les artisans, quel que soit le corps confondu. Fin de calvaire seront certains artisans présents à ce rendez-vous. Ils expriment ici leur joie au micro des belles de Lali. Mathieu Santo prénom et n'y a rien de bon dans les deux mots. Nous au prénom à Mathieu Nyon Jeshio Denude, il n'y a pas de Toto Ni, au débat il bléno, au dessin au bléno, il donne au vent non. Et tu dis, moi, là, tu sors, après, moi, je ne sais pas si tu es là. Et tu dis, moi, je ne sais pas si tu es là. Tu es là, 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 tu Suite à ces propos, l'équipe de supervision, pour sa part, invite les uns et les autres à plus d'engagement et à travailler la main dans la main pour des résultats probants. Moi, je voudrais à ce qu'ils soient unis et solidaires. Et je voudrais à ce qu'ils associent les bureaux sortants à travailler ensemble, main dans la main. Que vivement Dieu le Tout-Puissant accompagne cette nouvelle équipe pour le bien-être social de tous.